La vie n'est pas très longue pour se réveiller tous les matins avec des larmes sur notre visage. Les choses qui nous arrivent ont bien un sens quelque part. Et même si c'est vrai que la vie ne vaut rien, cela vaut au moins la peine d'essayer de la vivre avec un peu de sourire et d'espérance. Personne ne pourrait essuyer nos larmes plus que nous-mêmes. Les amis, la famille, les médecins feront tout leur possible, mais si nous ne bougeons pas le pouce, tout cela ne servira à rien. Même Dieu ne peut pas nous aider sans que nous ne mettions un peu de nous-mêmes. Dixit, Patrick Talon. Quand on est un jeune que brusquement on devient handicapé, la vie a-t-elle en quoi un sens? Quand du jour au lendemain on peut un être qu'on aime, la vie vaut-elle encore la peine d'être vécue? Quand on est sans emploi depuis des années, y a-t-il encore une raison de lutter? Quand on est sans enfant, sans époux, existe-t-il des raisons de garder le sourire? Patrick, un jeune Camerounais sur qui nous avons fait le choix de consacrer ce premier volet de notre documentaire « Au-delà du handicap », a choisi le sourire et l'amour du prochain pour transcender sa paralysie. Il a décidé de ne pas se laisser raconter l'histoire de la vie, mais d'être lui-même acteur. Plutôt que de se morfondre sur son handicap, il va à la rencontre de cette jeunesse paralysée pour la soutenir à son modeste niveau. Pour lui, être heureux, c'est rendre les autres heureux. Moi, Patrick, je suis paralysé aujourd'hui, mais qui est son paralysé? Je ne peux plus marcher. Et l'Afrique aujourd'hui est paralysée aussi comme le Cameroun. Et aujourd'hui, avec le problème des réfugiés qui vont d'un coin à l'autre, c'est la planète qui est paralysée par l'égoïsme. C'est ainsi que, de ville en ville, de village en village, il se déplace aussi motivé pour ceux qui ont perdu la joie de vivre et pour annoncer la bonne nouvelle. Pour Patrick, la pensée positive seule ne suffit pas. Il faut également la foi pour résister face à l'adversité. Il ne suffit pas de prière, il faut aussi agir. Patrick, je l'ai appelé, j'aime l'appeler affectueusement, le missionnaire à la chaise roulante. Je ne parle pas de Jésus parce que je suis sur un fauteuil roulant et que je veux absolument me mettre debout. Ne sachant pas qu'apporter joie et réconfort, Patrick Talon est également à l'origine de plusieurs impulsions au sein de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Bafoussam, de façon spécifique et dans le Cameroun en général. En 2000, lors de son séjour italien, il lui est proposé de s'installer en Sicile pour y vivre, mais c'était sans compter son désir de revenir au Cameroun pour participer à l'encadrement de la jeunesse. C'était un jeune qui s'occupait beaucoup des autres jeunes, qui était très engagé dans sa paroisse, puisque je crois qu'il y vivait à temps complet pour aider le père Étienne Momo. Mais il est toujours dans l'animation, il veut toujours se donner pour les jeunes, il veut toujours les soutenir, les faire avancer, et sa foi est toujours plus grande. Patrick, quand on vous parle d'un leader de jeunes, c'est celui-là qui prenait la première place, qui encadrait les jeunes, qui formait des groupes de jeunes pendant les journées diocésaines des jeunes comme celle-ci, pour pouvoir mettre de l'ordre, concevoir. Et que les jeunes en grandissant comprennent que les difficultés ne sont pas une malédiction, mais plutôt une joie, un ingrédient qui nous conduit vers le royaume. Par Patrick Talon et ses actions, avec l'encadrement de quelques communautés religieuses d'ici et d'ailleurs, peu à peu, d'autres handicapés ont pu retrouver le sourire et la joie de vivre. Grâce aux personnes comme Patrick, il a dit une phrase qui m'a marqué. Quand on va te douter, si ça arrive, on n'arriverait pas un centime sur sa vie. Et ça m'a touchée parce que là, il m'a prouvé que mon humanité et ma valeur en tant qu'humain restaient intactes. Au lieu de se morfondre sur lui, de laisser le regard des autres voler sa dignité, en le résumant en un être sans jambes et inutile, il se met au-dessus de son handicap pour non seulement dénoncer, mais surtout soutenir cette partie de la jeunesse qui baisse parfois vite les bras face à l'adversité. Patrick nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre société. Il nous fait revoir notre conception du handicap. Qui est de se faire réellement considéré comme paralysé
ou un handicapé. Entre le handicap physique de Patrick et les autres formes de handicap, n'y a-t-il pas un point commun qui s'appelle la souffrance? N'est-ce pas cette souffrance et cette douleur qui poussent beaucoup à baisser les bras? Le Cameroun est paralysé par la crise. Le Cameroun est paralysé par la corruption. Le Cameroun est paralysé par la facilité. Le Cameroun est paralysé par le tribalisme. Le Cameroun est paralysé par la division. Et ce n'est pas le Cameroun, c'est l'Afrique qui est paralysée. Qui est donc ce Patrick Talom? D'où vient-il? Quelle est son histoire? Comment arrive-t-il à se mettre au-dessus de son handicap? Just believe in yourself. Just believe in what you do. Just believe in your faith. Just believe, no matter what they say, say no, no. Believe, believe, believe anytime. Deuxième né d'une famille de 6 enfants, Patrick a connu une enfance plutôt tranquille. Un jeune, comme tous les autres jeunes, avec la particularité que Dieu a toujours été au centre de sa vie. L'aumônerie des jeunes et le collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam seront pour lui des lieux de mission et de croissance intellectuelle ainsi que spirituelle. Un chemin pour son accomplissement et son épanouissement. Il manifestera un désir de consacrer sa vie au service des autres, mais ceci était sans connaître les plans de Dieu. À quelques heures de l'accomplissement de ce projet de vie, la vie de Patrick Talom va basculer. Lui qui voulait servir les autres doit se laisser servir par les autres. Lui qui voulait laver les autres doit désormais se laisser laver. Lui qui conduisait, désormais, se laisse conduire. 31 août 2005, c'est une date qui ne s'oublie pas. Parce que je suis devenu paralysé à vie ce jour-là. Je revenais du Tchad où j'avais reçu le baccalauréat. J'étais attendu en France le 18 septembre. Et le chauffeur a fait un mauvais dépassement et nous sommes tombés dans un ravin dans la ville de Bafan. Et j'ai perdu ma moelle épinière. Et à cause de cette perte de ma moelle épinière, j'ai eu ce qu'on appelle une compression totale qui m'a paralysé à vie. Voilà ce qui s'est passé et depuis cette date, je dépends donc de ce fauteuil roulant. J'ai une sonde sur moi, j'ai une double incontinence, j'ai des fers au dos, j'ai des douleurs violentes dans les jambes. J'ai du mal à m'asseoir plus de 3 heures à 4 heures de temps parce que quand je m'assois plus de 3 heures, j'ai des escars qui sortent à la fesse. Je ne peux pas manger quand je veux, comme je veux, parce que quand je mange, ça cherche toujours à sortir. Donc voilà un peu ce qui s'est passé, voilà un peu l'état physiologique dans lequel je suis aujourd'hui. Patrick n'est donc pas né ainsi, mais ce jour, le verdict des médecins fut sec et sans appel, paralysé à vie. Je vous assure qu'à l'instant précis, on ne réalise pas qu'on est paralysé à vie parce qu'on a l'impression que c'est un film. On a l'impression qu'on dort et qu'on va se réveiller. Vous êtes jeune, vous êtes un grand garçon, vous jouez au volleyball, vous venez de passer un baccalauréat, c'est-à-dire que vous avez des rêves et on vous dit que vous êtes paralysé à vie. Non, ça semble être irréaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est que chemin faisant, j'accueille cette situation non plus comme un Dieu qui ne m'aime pas, qui veut me condamner, qui me punit, mais tout simplement comme une situation qui peut arriver. Après plusieurs jours passés à l'hôpital de Banka par Bafan à l'ouest du Cameroun, Patrick est évacué à l'hôpital central de Yaoundé, où il sera admis au bloc opératoire, 8 jours après son arrivée. L'attente dans les couloirs pour la famille ainsi que pour la maman de Patrick Talom sera infernale. Patrick a fait presque 8 heures au bloc parce qu'ils sont entrés à 8 heures. Et on est ressorti avec Patrick vers 17 heures dans la soirée. J'étais en train de faire les va-et-vient au couloir du bloc. J'entends subitement quelqu'un, un infirmier qui se dit que, qui est Madame Photo? Je dis que me voici. Il dit il est mort, docteur. Je dis non. Non, madame, s'il était mort, c'est lui qui nous a donné ton nom. Donc, il est en réanimation. Mais il s'est réveillé. S'en suivra donc 21 autres jours en neurologie. Mais, ironie du sort, par manque de place à l'hôpital central de Yaoundé,
la famille est contrainte de libérer sans aucune orientation ou référencement pour la suite du traitement. C'est finalement à l'hôpital régional de Bafoussam qu'il sera transféré, où il passera 4 mois. Le périple continuera au nord-ouest pour 6 autres mois. Il a fini par faire oublier son handicap, car il sait se rendre utile et être une aide pour les autres. Un Simon des sirènes, un motivateur des jeunes, une béquille pour des personnes démoralisées et un missionnaire sur les routes du monde pour porter la joie de l'évangile. Patrick a déjà écrit 9 ouvrages. Les plus connus sont « Ma force de vivre » paru en 2012 avec le soutien du père Jean-Pierre Batoum du diocèse de Douala et « Ce que j'ai vu m'interroge, la souffrance a-t-elle un sens ?» paru en 2015 pour marquer la 10e année sur son fauteuil. L'écriture est donc l'un des canaux de prédilection de Patrick pour faire passer son message et l'imprimerie diocésaine de Bafoussam l'accompagne depuis dans cette aventure. Je voudrais faire une présentation particulière aujourd'hui. Là, ma force de vivre, c'est la 5e édition. Et c'est grâce à Cédric. Grâce à Cédric, pourquoi? Parce qu'il est responsable de l'imprimerie diocésaine de Bafoussam. Et avec lui, on a commencé un partenariat, un échange. Il a osé me faire confiance. Et ça, c'est parfois la difficulté que j'ai. Ça dit qu'on ose me faire confiance pour dire qu'il peut faire du travail. Alors, je laisse la parole à Cédric de se présenter et de dire exactement ce que l'imprimerie diocésaine de Bafoussam fait au quotidien. Oui, bonjour. Donc, Cédric Dossi. Moi, je suis missionnaire envoyé par une ONG française qui s'appelle Fidesco. Et en fait, j'ai en charge, à la demande du diocèse, de lancer cette imprimerie. Donc, je suis arrivé en septembre 2014. Donc, ça fait maintenant 1 an et demi. Et je dois dire que des clients comme Patrick, c'est une vraie joie parce qu'on a construit... C'est le deuxième livre qu'on sort là. Mais au fait, qu'est-ce qui est sa force de vivre et qu'a-t-il vu pour s'interroger sur la souffrance? Vous convenez avec moi que la souffrance d'abord déconcerte. Elle perturbe. Elle trouble la tranquillité du quotidien. La souffrance vient nous voler quelque chose de fort, notre dignité, notre intégrité. La souffrance nous rend petits. Dans le témoignage de Patrick, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a le droit de parler de la souffrance, puisqu'il y est passé et il y est toujours. Et qui témoigne qu'il a trouvé le vrai trésor alors qu'il a perdu, il est quand même lourdement handicapé. Et donc c'est auprès des jeunes, c'est un témoin idéal, si je peux dire, pour parler du sens de la vie et parler aux jeunes, car il est encore jeune lui-même. Et donc il y a à la fois toute l'énergie en lui, la force, et en même temps la croix, si on, entre chrétiens on peut le dire ainsi. Et en fait, il montre très bien que l'un vient de l'autre. La souffrance a-t-elle un seuil ? À quel moment peut-on parler de souffrance? Qui est celui qui souffre? La souffrance, c'est un lieu d'évangélisation, un lieu de témoignage, un lieu d'accomplissement de la foi et de l'espérance chrétienne. Et vous conviendrez avec moi que si la bétadine peut soigner une blessure qui est apparue après un accident, nous aurons du mal à utiliser la bétadine pour soigner un cœur qui souffre. Souffre par manque d'amour. Sauf parce qu'on n'arrive pas à enfanter. Et hier encore, c'est une jeune qui me rappelait encore combien elle désire enfanter. Et je crois que vous avez vu dans une télévision locale, il y a à peine une semaine, cette jeune dame qui a volé un bébé dans une maternité à l'est au sud du Cameroun. Mm-hmm. Elle est désemparée. La soif d'avoir un bébé, la soif d'être maman. Alors ne me dites pas que je vais lui prescrire une bétadine. Parce que parfois, elle ne vole pas ce bébé parce qu'elle voudrait forcément voler. C'est la belle famille qui l'a humiliée. Toi la stérile, toi l'imbécile qui mange l'argent de notre fils. Parce que c'est l'époux qui l'a humiliée en couchant avec une autre femme dans la maison conjugale. Elle n'en peut plus. Elle estime que la seule solution c'est de voler. Désemparée est chère. Je ne veux pas justifier l'acte. Mais je veux tout simplement qu'on comprenne que la bétadine, vous qui êtes dans le monde médical, ne peut pas tout soigner. Et vous êtes d'accord avec moi. Parce que vous qui utilisez la bétadine selon le protocole prescrit pour soigner des malades, vous aussi vous souffrez. Vous souffrez matériellement. La souffrance est-elle toujours perceptible? À chacun sa souffrance, conseil du jeune Eric. Vous qui êtes en santé,
vous êtes dans le chômage, vous vivez, c'est... parce que la souffrance n'est pas que cette souffrance physique. Hein. Vous vivez cette situation, ne vous laissez pas égarer. Vous vous lancez dans la boisson, c'est la fête chaque jour et tout. Toi qui rêves d'enfanter, la souffrance et l'enfantement manquent dans l'absence de l'enfant. Moi, c'est mon problème. Je vis cela en ce moment, depuis l'année passée. Le docteur m'a dit que je suis à ménopause précoce. Que c'est triste la vie pour certaines personnes quand on vit dans l'opulence, dans la tranquillité de sa maison, dans la joie de son travail. Il arrive parfois qu'on oublie que du jour au lendemain, tout peut basculer. Notre confort parfois voile notre conscience. On ne se rend plus compte que c'est une grâce de dormir, de se réveiller, de vivre, d'avoir à manger, d'avoir un époux, une épouse, un enfant, un boulot, d'être une personne valide. On oublie que la vie reste fragile et qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. De la même manière, elles sont nombreuses ces personnes que la vie a paralysées de l'intérieur. Leur handicap est invisible à l'œil nu. Et pour Patrick, il ne suffit pas de dire à ces personnes « Courage, union de prière, Dieu est bon, tout est grâce, supporte, sois fort. » Non, mais il faut aussi avoir la volonté de donner du pain, de prendre dans les bras, d'être une présence qui réconforte. Et pour cela, le monde a en soi cette réserve d'amour capable d'offrir un sourire aux autres. Tout ne vient pas de Dieu, mais Dieu le permet. Mais pourquoi il m'a choisi? Vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois que ça marchait dans votre maison, vous n'avez pas dit pourquoi ça marchait dans ma maison. C'est quand j'avance à ce que je vous dis que comment ça peut arriver dans ma maison. J'ai même fait froid. Avant de faire mon accident, j'étais à Rome en Italie. Je ne me suis pas plaint que j'avais pris l'avion. Ah non, je ne me suis pas plaint. De la même manière, je ne me plains pas du bonheur que Dieu m'accorde. Je dois être capable d'accueillir aussi la souffrance comme une interpellation de Dieu. Alors lui, il a compris que la passion ayant fait partie intégrante de la vie de Jésus, lui aussi étant un chrétien, a donc accepté d'intégrer cela dans sa vie. Et voilà ce qui explique sa joie de vivre, sa foi, et puis cette foi qui est rayonnante, qui est distributive. Patrick est l'une des personnes qui ne s'est pas plaint, qui n'a pas posé beaucoup de questions à Dieu et qui a pris cet handicap comme quelque chose qui faisait partie de lui, quoi. Il l'a accepté. Souvenez-vous de ce nom qui lui a été donné à l'entame de notre film. Le motivateur, le coach ou encore l'évangéliste à la chaise roulante. Comment fait-il durant ses déplacements avec deux barres de fer dans sa colonne vertébrale et des risques d'escar? Où trouvait-il la force pour pouvoir aller de l'avant? Une fois de plus, moi, il dit toujours que c'est pas moi. Parce que si c'était moi, je crois pas que j'y arriverais. Je sais seulement qu'il y a une flamme en moi, c'est-à-dire celle d'aller de l'avant, celle de donner le meilleur de soi, celle d'aider surtout les autres. J'ai envie d'aider les autres parce que j'étouffe quand je n'aime pas. J'étouffe quand je ne partage pas. Quand on sait qu'en Afrique, rares sont les bâtiments qui sont au nombre des personnes handicapées et que les infrastructures sont quasi absentes pour faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap, comment tient-il le coup avec l'état de nos routes? C'est vrai, ce sont des risques que je prends. Mais la plus grande joie, c'est de voir ce sourire sur le visage de ces jeunes. C'est un grand risque, je le reconnais. Mais la foi aussi, c'est une part de folie. La souffrance de Patrick, plus particulièrement, je trouve que c'est un combat de tous les jours. Surtout quand on vient au Cameroun. Tant qu'on n'est pas venu vivre avec lui ici les réalités, ce qu'il vit en France serait beaucoup plus simple. Mais ici, tout est un problème. Tout pose problème, les déplacements, tout est difficile.
Et Patrick, il a réussi quand même à dépasser ça. Voilà la réalité du déplacement d'une personne en situation de handicap. Les routes ne sont pas toujours ce qu'il y a de mieux et les fauteuils ne sont pas toujours très adaptés. Mais c'est une joie d'aller récupérer le petit neveu qui rentre de l'école et de lui donner le parapluie pour qu'il se protège. Maintenant, il faut franchir les 300 mètres qui nous séparent de la route à la maison. Et on va y aller pour muscler notre corps. Allez, hop! Le monde est séduit par l'athéisme. Il se laisse emporter par la luxure. L'amour laisse place à la guerre. Miséricorde divine, prends pitié. N'allez donc pas lui dire qu'il est un jeune paralysé, handicapé ou souffrant. L'handicap dont je parle ici est multiforme. Ce n'est pas un handicap visuel comme on va dire les pieds paralysés. Pour moi, ce n'est même pas le pied handicap. Le pied handicap, c'est l'handicap moral, c'est l'handicap spirituel. Quand vous êtes handicapé à ce niveau-là, je crois que là, vous êtes vraiment le plus gros paralysé du monde. Alors, il faut arriver maintenant à donner des péchés à cette jeunesse. Et ceux qui le côtoient ne manqueront pas de vous dire qu'il parle difficilement de ses frustrations, de ses douleurs, de ses difficultés financières et matérielles. Et quand bien il le fera, cela se fera toujours avec une note d'humour sans vous mettre mal à l'aise. Ils vous diront que sa vie a repris son cours normal au point où l'on se pose parfois la question de savoir s'il est vraiment en situation de handicap. Patrick, il tient à avoir le maximum d'autonomie. Il refuse de mendier et accueille la providence comme une preuve de la pensée positive et la foi. Le courage et la persévérance, le combat et la présence des vrais amis font des miracles. Il sort se balader et assiste même à des manifestations, telles que ce fut le cas pour le mariage de ce jeune ami à lui, André Silacha. Au fur et à mesure que le temps passe, l'histoire de Patrick Talhomme ne cesse de toucher de nouvelles personnes qui, elles aussi, peuvent s'interroger. Quel sens donner à ma vie? Pour Patrick, tout est grâce et tout est lié. Hier, il marchait. Hier, il courait. Hier, il était autonome. Il n'a pas choisi de faire cet accident. Il n'a pas choisi d'être paralysé à vie. Il n'a pas choisi de dépendre des autres. Cependant, il a fait le choix de sourire et non de pleurer, de lutter et non de se résigner, de garder la foi au lieu de maudire. Ceci en dépit des douleurs et des souffrances, ceci en dépit des humiliations et des frustrations, ceci en dépit des échecs et des rejets. Tout n'est pas rose dans sa vie. Pour lui, tout ne vient pas de Dieu, mais Dieu peut le permettre. Pour Patrick, chacun a son handicap et ses souffrances, chacun a ses échecs et ses épreuves. Pleurer est un droit. Mais sourire est un devoir. Sa vie, il la veut désormais comme un bouquet de roses. Des roses pour parfumer le monde d'amour et de sourire. Au jeune, Patrick dit ceci. La vie n'est pas un brouillon où l'on peut à sa guise prendre plaisir à faire des erreurs tout en se disant que l'on peut tout recommencer à chaque moment. La vie est plus que cela et est un trésor à protéger. Et lorsque la pureté d'intention dirige nos pas, les erreurs ne sont plus un drame, mais une école de sagesse qui nous rend meilleurs. Aux parents, Patrick dit ceci. Vous avez le devoir de rester pour les enfants la lampe qui éclaire le chemin. Malgré vos difficultés, c'est à vous que revient la lourde mission de leur éducation, dans la piété et la vertu. La vie semble être dure et chaque jour qui passe est un fardeau qui pousse à renoncer à votre mission au sein de la famille. Noyau de toute la société. Votre rôle est d'assurer le passage de témoins
entre votre génération et la nôtre, nous les enfants. Comme pour dire que ce que vous nous léguerez, nous le léguerons à notre tour à nos fils. Cet héritage est moral, culturel et spirituel. Transmettez l'esprit de prière à vos enfants, la crainte de Dieu, le respect d'autrui, de la vie et de toutes les vertus qui font un homme vertueux. Les saints font les saints et tous, nous devons aspirer à cette sainteté. Votre rôle est immense dans ce sens. Cette responsabilité ne vous dédouane pas de vos problèmes personnels qui très souvent échappent même aux enfants. Bien au contraire, c'est votre capacité à pouvoir gérer tout cela qui vous distinguera des autres. Aujourd'hui, Patrick s'est donné un nouveau challenge. Reprendre des études pour se former. Se former pour devenir plus autonome et moins dépendant. Se former pour avoir une compétence, une qualification dans un domaine qu'il aime. Se former pour former d'autres personnes, mieux écouter, accompagner et soutenir ces personnes souffrantes qu'il rencontre chaque jour. Se former pour mieux animer les conférences et rédiger d'autres livres. À tous enfin, Patrick dit ceci. La souffrance fait partie intégrante de notre vie. Elle se manifeste sous diverses formes et chacun de nous en a déjà fait l'expérience. Soyons toujours dans la joie. La joie est contagieuse et fait du bien, non seulement à notre être, mais aussi à tout ce qui nous entoure. Soyons des êtres pleins de joie. Donnons la joie et recevons la joie de Dieu. Et ceci, même si le prochain nous refuse la sienne. Osons ramer à contre-courant face aux vices que la société semble vouloir ériger en vertu. N'attendons pas que les autres fassent quelque chose. Commençons à faire à notre niveau ce qu'il est bon de faire. Pleurer est un droit. Mais lutter et aimer sont des devoirs. Choisis.